13, 14, 14B. Nous voilà. Oh, ça ne rentre pas. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Vous vous frottez complètement contre moi. Ah, je suis vraiment désolé. En fait, j'ai juste un problème avec mon sac. Ce n'est pas si sorcier. Oh, attendez, laissez-moi vous aider avec ça. Oh, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ils ont rendu ça si compliqué. Ce n'est pas compliqué. Vous n'êtes juste pas assez intelligent. Monsieur, ce n'est pas très gentil. Quoi ? Je suis juste honnête. Je veux dire, regardez-le seulement. Vous savez, il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Nous y voilà. Tout est prêt. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Excusez-moi, ça vous embête si je m'installe ? Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Bonjour, moi c'est Tom. Je suis enchanté. C'est un beau livre. Est-ce que vous aimez ? J'essaye de lire. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je suis désolé. Je demandais seulement au sujet du livre que vous lisiez. Ok, eh bien... Ça s'appelle « Physique avancée » et c'est écrit par Thomas Watson, l'un des plus prestigieux chercheurs en physique du monde entier. Et je pourrais vous l'expliquer, mais vous n'avez pas l'air assez intelligent pour le comprendre. Eh bien, à vrai dire, j'aime bien la physique. Vous voyez ? Vous savez quoi ? Je ne veux vraiment pas être dérangé. Si vous avez un problème, appelez l'hôtesse de l'air. Je ne suis pas votre babysitter, d'accord ? Bonjour, monsieur. Voudriez-vous de l'eau ? Rebonjour. Voudriez-vous de l'eau ? Bien sûr, merci beaucoup. Ah, imbécile! Regardez ce que vous avez fait! Oh, je suis vraiment désolée, c'était de ma faute en fait. Mais ne prenez pas la responsabilité pour lui! Je savais qu'il allait être un problème, au moment où je l'ai vu arriver. C'est ridicule! Personne ne devrait avoir à s'asseoir à côté de ça, c'est intolérable! J'exige un nouveau siège immédiatement! Très bien, je vais parler au capitaine et voir ce qu'on peut faire. Oui, oui, faites ça, je suis content qu'on se comprenne enfin. Oh mon Dieu, désolé. Je suis vraiment désolé. Je peux aider à nettoyer ? Non ! Clairement, vous n'êtes pas assez intelligent pour faire quoi que ce soit comme il faut. Je suis désolé. Ok, j'ai parlé au capitaine. Super ! Il m'a trouvé un nouveau siège ? Même mieux. Il va vous surclasser en première. Voilà, là ça commence à me plaire. Et Dieu merci, je ne vais pas devoir passer tout le vol assis à côté de vous. Je vais juste prendre la valise. Oh, non, ce n'est pas ma valise. Vous avez pris la mauvaise. Oh, désolé de ne pas avoir été plus clair. Le capitaine surclasse en fait son billet. En première. Parce que nous sommes tous d'accord, il ne devrait jamais avoir à s'asseoir à côté de quelqu'un comme vous. C'est vrai. Attendez, mais c'est ridicule! Excusez-moi, monsieur. Aimeriez-vous passer en première classe avec nous? Nous serions ravis de vous avoir là-bas. Waouh, j'en serais ravi. Super. Le capitaine sera là sous peu pour vous escorter personnellement. Je prends votre valise. Merci. Excusez-moi. Et oh, au fait, ce livre est encore meilleur au prochain chapitre. De quoi vous parlez ? Comment vous le sauriez ? Parce que je suis Tom. Thomas Watson. J'ai écrit ce livre. Quoi ? Vous l'avez écrit ? Je ne comprends pas. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui... Eh bien, vous savez, je suppose que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur Watson, nous avons préparé votre siège. Super, j'arrive tout de suite. Passez un agréable vol.